Les chantiers de construction des trois périscolaires se sont poursuivis tout l'été. Le multi-accueil Boucle d'Or a fait peau neuve. D'importants travaux ont été entrepris cet été. L'année dernière, la halte garderie est devenue un multi-accueil permettant d'accueillir les enfants sur le temps de midi. Aussi, les locaux ont dû être réaménagés pour répondre à ce nouveau service. Un espace cuisine plus grand et mieux équipé a été aménagé, une seconde salle de repos a été créée et l'actuel espace animation a été revu pour le bien-être des enfants. La maison rurale de l'Outre-Forêt a accueilli plus de 1800 visiteurs cet été, revenant à une fréquentation d'avant la crise sanitaire. De nombreuses animations d'été ont été proposées, repas, balades, visites guidées et deux grandes journées à thème. Concert Bluegrass le 31 juillet avec environ 170 entrées et la journée de la chasse le 14 août avec plus d'une centaine d'entrées. Autre nouveauté, la maison rurale est maintenant présente sur le réseau social Instagram. Alors que la communauté de communes est propriétaire des locaux et gère l'accueil de la maison rurale de l'Outre-Forêt, les animations et expositions sont organisées par l'association des Amis de la maison rurale de l'Outre-Forêt. Alors l'association a été créée il y a déjà une bonne trentaine d'années par l'ancien président Jean-Laurent Vonneau, qui présidait à l'époque le Cercle d'Histoire et d'Archéologie d'Alsace du Nord. Ils étaient à la recherche d'un bâti correspondant donc aux constructions du XVIIIe siècle. Ils avaient pensé au village de Hunspar, Zébar, les incontournables, et finalement trouvé une opportunité ici à Kutzenhausen avec un magnifique corps de ferme ici au cœur du village. Alors l'association fait plein de choses à la maison rurale. Nous sommes là pratiquement au cœur du potager qui est entretenu par des bénévoles. Il y a une basse-cour qui est suivie par notre ami Bernard. Donc ça, ce sont des activités d'extérieur. Mais nous avons également, et c'est principalement l'objet de l'association au départ, la charge des collections qui sont présentées sur le site et auxquelles nous dédions des séances de travaux, rénovation, entretien, etc. Nous sommes également chargés, bien entendu, de l'accueil des visiteurs pour des visites guidées, qui le sont par des bénévoles de l'association, pour l'accueil des scolaires, auxquels nous proposons des ateliers de découverte, de fabrication et d'écriture à l'école, un site qu'on découvrira peut-être tout à l'heure. Nous avons également des clubs, un club de marqueterie, un club de brodeuse. Nous dispensons des cours d'alsacien. Nous accueillons le public dans le cadre d'animations, souvent fondées sur des expositions et prolongées par l'accueil d'artisans, de groupes folkloriques, d'artistes. Depuis le printemps, de nombreux étudiants ont travaillé sur le carreau Clémenceau. Fin avril, trois étudiantes en Master 1 de formation en restauration-conservation de l'Université Paris à Panthéon-Sorbonne ont fait l'état des lieux de 21 maquettes, dont de l'Institut français du pétrole. Une étudiante architecte ingénieur topographe de l'INSA à Strasbourg a réalisé une modélisation 3D du carreau Clémenceau.
Du 12 au 15 mai, a eu lieu l'animation Le Carreau s'anime, associée à la Haute École des Arts du Rhin, l'Association des Amis du Musée du Pétrole, le Parc Naturel Régional des Vosges du Nord et l'artiste plasticienne Myriam Schwamm. Quelques 220 personnes se sont déplacées sur les 4 jours, dont près de 120 élèves du Collège de Vœux. L'exposition photo « Regard sur une friche industrielle » s'est tenue du 14 juillet au 15 août et a été organisée par l'Association des Amis du Musée du Pétrole et l'association Team F4 en partenariat avec le Parc Naturel Régional des Vosges du Nord, Myriam Schwamm et la CCSP. Elle a accueilli sur cette période 130 personnes. Toutes ces opérations participent à la valorisation d'une friche industrielle liée à l'histoire de notre territoire. Dans le cadre du programme Trame Verte, une visite de jardin animée par la Maison de la Nature de Münchhausen a eu lieu en juin à Lembach. Plus de 70 personnes ont ainsi pu découvrir toute la biodiversité qu'on trouve dans un jardin et comment la préserver. En juillet et août, différentes soirées ciné-nature ont été organisées à Egenet, Valbourg et Görsdorf. Plus de 150 personnes ont par exemple participé à la projection du film Le Temps des Arbres à Egenet.